d'abord. Sous la lutte. Trois coups de canon. Bonza, bonza, bonza. Quand on parle de rugby, c'est un sport de combat, d'évitement, qui se joue sur un terrain avec une balle ovale qui est avec moi, qui est dans ma main, qui se présente comme si. D'abord, il y a le rugby à 15, le rugby à 7 et le rugby à 13. Aigle Rugby Club est une association sportive basée à Cotonou. C'est une association qui s'inscrit dans le domaine du rugby et qui participe aux activités de la Fédération béninoise de rugby. Nous étions Hirondelle du Doska et courant mars 2018, on a changé de nom. Aujourd'hui, on est Aigle Rugby Club. Et nous avons presque toutes les catégories et d'âge. On a la U10, les U14, les U17, U20. Et actuellement, on est en train de monter une catégorie féminine. Et les filles s'entraînent correctement. Bon, disons, d'ici peu, il y aura un petit tournoi qui va réunir ces filles autour de la balle ovale. On n'a pas encore un club féminin. Donc, on est obligé de jouer avec les garçons, mais je trouve ça bien. J'ai l'opportunité de me mesurer avec des garçons. Nous avons pour vision de promouvoir le rugby dans toutes les catégories. Nous avons une école de rugby pour l'occasion. Nous avons les catégories U14, U17, U20. Et nous avons aussi l'équipe senior qui est là, une catégorie féminine. Et sans oublier les U10 aussi qui sont en formation. Le rugby au Bénin, c'est quand même une histoire de décennies. Ça fait déjà plus de deux décennies parce que le sport est arrivé au Bénin dans les années 1980. Les choses peinent vraiment à prendre. Il n'y a pas régulièrement de compétition pour les joueurs. Ou tantôt les joueurs jouent une fois dans l'année à une compétition statutaire de la fédération. Donc ça fait que les clubs ont commencé par quand même pas se vider. Mais depuis peu, je peux dire que l'espoir est quand même revenu. Parce que des particuliers ont décidé d'apporter quand même une touche assez particulière pour le développement du rugby. Nous sommes le club le plus structuré du Bénin. Le chemin a été vraiment long, des Hirondelles aux Aigles de Cotonou. En termes de palmarès, en 2016, nous étions vainqueurs du tournoi de Parakou. En 2017 également, nous étions vainqueurs du tournoi de Parakou. Au niveau du rugby à 15, du championnat national du rugby à 15, en 2017, on était également champion. Vainqueur du championnat de rugby à 7 en 2017 et en 2018. C'est ça qui nous a valu le ticket au TIREC en 2018. Le TIREC, c'est le tournoi international du rugby des équipes championnes de chaque pays. Et que nous étions vainqueurs de ce championnat de rugby à 7 en 2018. En décembre passé, nous étions à Ouaga et nous avons occupé la deuxième place, donc vice-champion. Nous sommes rentrés au pays avec la médaille d'argent. Tactiquement et physiquement, je peux dire qu'ils sont au point, ou on est au point, parce qu'on travaille dans la semaine, trois fois dans la semaine, le mercredi, le samedi et le dimanche. Donc, c'est ce qui fait le fort des Aigles Rugby Club de Cotonou. On compte aller loin, pas seulement loin, mais très 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 loin. Pas seulement reconnu au Bénin, mais on pense dans la sous-région que les gens nous connaissent par rapport à travers notre jeu. L'année passée, on a été représenter le Bénin au Burkina, pas à TIREC. On a été vice-champion. Mais cette année, on pense mieux faire. Pourquoi ne pas revenir avec le trophée et faire la fierté de notre pays? Disons qu'on a grandi ensemble, toute l'équipe. On a toujours été des frères, on a grandi ensemble depuis le bas âge jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pas seulement le rugby qui nous unit. On a toujours été ensemble, des problèmes de la maison, des problèmes, en tout cas des problèmes personnels, on les gère ensemble. Et puis il y a la solidarité entre nous. J'ai trouvé les Aigles Rugby pour m'entretenir un peu au rugby. Je suis surpris parce que c'est très très jeune. Et c'est différent de ce que je connaissais en France, où c'est plus structuré et organisé. Mais il y a une grosse dynamique et motivation pour construire autour des jeunes. La recette au niveau des pays,
les grandes nations, c'est comme cela que cela se passe. Il y a différentes catégories. Et les jeunes, ils évoluent palier par palier jusqu'à se retrouver en équipe senior. J'espère que le Bénin va quand même copier ce modèle-là pour le bonheur de tous les rugbymen et de tous les acteurs du rugby béninois. Nous avons comme ambition le développement du rugby sur le plan national surtout. Et avec notre projet, le rugby à l'école, c'est un projet que notre club Aigle du Bénin a initié depuis 2017. Nous passons dans chaque école et nous formons les enseignants, surtout les professeurs de sport, à la pratique du rugby. Et eux, à leur tour, vont former des jeunes joueurs. Le club a rencontré d'énormes difficultés, surtout du côté financier, les matériels aussi. Nous sollicitons mieux des gens à nous venir un peu en aide parce que les joueurs se donnent à fond. Et bon, sans championnat et sans des compétitions, bon, ça ne va pas parce qu'au Bénin, le club le plus reconnu, c'est les Aigles du Rugby Club. Mais voilà, ils jouent à chaque fois contre les mêmes, contre les mêmes équipes. Donc, pour au moins aussi faire valoir un peu leurs compétences. Il leur faut des sorties, mais sans les moyens, bon, on ne peut rien. Donc, nous sollicitons les gens à nous venir un peu en aide. Zakuba Kuba! Aigle!